J'espère que vous aimez les wishlists. Pas de réponse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. C'est une vidéo wishlist. J'avais envie de vous présenter comme ça ce que j'ai envie de m'acheter en ce moment, les coups de cœur que j'ai eu au niveau des marques, etc. Donc c'est plutôt cool. Et dites-moi en commentaire ce que vous comptez avoir à Noël par exemple, puisque ça c'est à peu près une wishlist de Noël. Et précisez-moi les produits et les articles que vous aimeriez avoir sous votre sapin. Ne perdons pas de temps, on va commencer la wishlist. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Donc je vais tout simplement juger par rapport aux nouveautés qu'il y a dans plusieurs sites et je vais vous dire les coups de cœur et ce que j'aimerais vraiment avoir sous mon sapin ou tout simplement m'acheter dans les mois à suivre. Donc les images vont s'afficher juste là et là on peut voir, on peut commencer par un sweat capuche de chez Fila et franchement je le trouve juste trop beau. Alors il y a une hype qui est dessus, hein, bien évidemment je ne l'achète pas pour la hype, c'est juste parce que j'adore vraiment le style du vêtement. Par exemple là c'est un exemple tout simple mais tout bête, c'est pas des sweats Fila qu'on voit tout le temps avec en gros marqué Fila et c'est tout banal. Là on peut voir du bleu marine avec voilà une sorte de bande blanche séparée par des toutes petites bandes verticales de couleur bleu marine aussi pour se fondre avec le bleu marine du haut et coupé en bas avec du rouge et des poches bien sûr avec le petit logo Fila et sur les manches on peut voir l'écriture Fila pour 90€. Donc moi c'est un truc qui me plairait bien d'être dans ma collection et franchement je le trouve juste trop. Chez Nike, un petit coup de vent du PSG, alors calmez-vous les fans de Marseille, hein. Je suis pas du tout pour Paris, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je la trouve vraiment stylée. Il y a un petit camo mais tout en noir, ça fait vraiment très très cool, un petit camouflage noir. Franchement la veste coupe vent elle est vraiment très très belle, 79€. Bon, c'est le prix, on paye la marque et puis on paye le PSG, donc c'est normal que ça coûte aussi cher. Hein. Bon, malheureusement, c'est comme ça. On verra si je me l'achèterai, mais en tout cas, c'est vraiment une belle veste. Là, ça part clairement sur de la chose et on risque de détaler si on met ça, hein, parce que les petites nouvelles Adidas en EQT, alors je sais pas trop comment ça se dit, parce que je suis pas trop calé niveau nom des choses et tout, alors apparemment c'est des Adidas Basket EQT Super ADV, Footwear White Core Black, oui le respect est parti très loin au niveau de l'accent anglais. Non bah sans rire franchement elles sont super belles, après faut savoir le coloris parce que je pense que les blanches vont être très très salissantes et très dures à nettoyer, après faut en prendre très soin. Après au niveau des noirs c'est moins risqué et puis ça permet de vraiment mettre ça avec toutes les couleurs qu'on veut. Mon dieu, alors là pour Adidas le Swill Cold Polo Drill, il est juste magnifique, 90€, je le mets easy dedans franchement. Il est magnifique, genre c'est un sweat avec un petit col et tout qui fait un peu style polo. Il est vraiment trop trop lourd avec du bleu marine, bande blanche et du jaune avec quelque chose de très très fin, le petit logo Adidas juste devant, mais vraiment c'est d'une finesse, c'est un truc de ouf. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans, il y a peut-être des couleurs flashy, enfin du moins pour le jaune, mais sinon c'est vraiment très très classe et moi j'adore, franchement c'est mon coup de cœur là. Là franchement c'est mon coup de cœur. Alors là le petit sweat Cold Polo Drill, il est pour moi. Il faut que je me l'achète, c'est ok. Entre Adidas, Nike et Puma, c'est un truc de ouf, ils font des vestes ou des sweats, mais c'est à mourir. Genre là, Puma, ils ressortent du lot, mais d'un seul coup en puissance. Et ils nous foutent des coups de vent avec les clubs d'équipe. Par exemple là, celle, je suis tombé vraiment amoureux dessus. Genre c'est pour le Dortmund. Elle est juste magnifique. Le petit Puma en jaune avec le logo Dortmund qui est jaune. Avec, voilà, ça fait à peu près le même style que celle du PSG, mais plus classique on va dire. Mais elle est juste magnifique. Par contre, le prix, c'est vrai que bon, Puma, vous auriez pu faire un petit effort parce que 100 balles pour un petit coup de vent, voilà, c'est juste. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Donc ça, c'est un coup de cœur, c'est pareil, c'est dans ma wishlist.
Alors, je sais pas si vous connaissez la marque Six Silk. J'en fais pas exprès. Hein. Six Silk. Voilà, c'est Six Silk. En fait, c'est une marque qui coûte assez cher au niveau de leurs produits, mais c'est une marque hyper classe, mais tellement belle. Genre, elles font des produits juste énormes. Par exemple, moi, ça, c'est un t-shirt que j'aimerais vraiment avoir. C'est un coup de cœur que j'ai depuis au moins un an. Ce t-shirt-là, oversize, pastel, avec un petit peu le côté baseball, avec la petite fermeture devant et tout, vraiment. Mais ça fait un peu polo. C'est vraiment... La couleur, elle est... C'est magnifique. Franchement, ça, c'est vraiment le coup de cœur avec le polo Adidas de tout à l'heure. Mais celui-là, il me le faut aussi, c'est pareil. C'est vraiment... Puis même le design de... Ah, je sais pas, moi j'adore. Franchement, c'est vraiment le style de vêtements que j'adore et qu'il me faut, qu'il me faudrait absolument. Donc 45€ pour ce magnifique t-shirt, et bah ça vaut le prix. C'est un des produits qui coûte le moins cher d'ailleurs dans leur boutique, donc c'est plutôt plaisant puisque c'est celui que je préfère. Mais franchement, je vous conseille énormément d'aller voir, d'aller vous intéresser à cette marque-là. Alors je vous redirai pas le prénom, ne vous inquiétez pas, de toute façon tout sera en barre d'infos. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre petite wishlist, ce que vous allez avoir à Noël et si vous ne savez pas ce que vous aimeriez avoir. Lâchez un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Et puis je vous retrouve très très bientôt. N'oubliez pas d'être présent en commentaire, de partager, de commenter, de liker, ça fera vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Peace, mais pas sur moi. Pouh.